Merhaba. Bonsoir. Good evening. Je vais parler en français. J'ai hésité à le faire en libanais, mais peut-être je ferai un autre plus tard en libanais. Vous allez compter sur moi pour ne pas faire dans le politiquement correct. Je ne vais pas commencer par ce que le président Biden, et alors je ne comprends pas du tout pourquoi que le président Biden a montré la première image alors que les Européens ont participé vraiment beaucoup à l'avènement et le monde entier à l'avènement des images de James Webb Space Telescope. Je vais parler de l'exoplanète. James Webb, le Webb, a capturé la signature de l'eau dans l'atmosphère d'une planète géante et gazeuse. Tada! Alors, elle s'appelle WASP-96b. Et ce qui est excitant, c'est que la distance, elle est le 1/9, celle de la distance de Mercure-Soleil. Et en fait, la température de surface, elle est de 1000 degrés Fahrenheit et elle est de 537,778 degrés Celsius. En fait, le Hubble Space Telescope a déjà observé cette planète, mais l'observation du Webb révèle des observations beaucoup plus détaillées. Et en fait, il y en aura plus, beaucoup plus détaillées dans l'avenir. Celles et ceux qui ne connaissent pas vraiment les spécificités du Webb peuvent regarder mes vidéos sur TikTok ou sur YouTube, peuvent voir vraiment les spécificités du Webb, la résolution du Webb, de James Webb. Et moi, là je vais parler vraiment personnellement, chaque donnée du Webb, chaque image du Webb, c'est un plaid dans mon cœur. C'est une plaie dans mon cœur. Parce que j'ai démissionné du Webb et du CEA pour aller au Liban. Et le Liban m'a fait un kick me out. Donc, and you kick me out. Et en fait, je me retrouve kicked out from James Webb et from NDU. Mais bon, c'est pas grave. Ceci n'empêche pas qu'on a vraiment de belles images et on va faire de belles sciences. Stay tuned. Donc, ce qu'on est en train de voir, c'est une détection de l'eau sur une planète géante autour d'une étoile qui est vraiment assez intéressante, mais ne vous attendez pas à voir de la vie parce que pour le moment, c'est pas là qu'on attend vraiment la vie. Stay tuned, Dr. C.